poisson. Tini Sayori les gars. Yes, l'estuaire ça a fonctionné. Non, pas dans les algues. Bonjour. Ah ouais, poisson. D'accord. Je suis mort, je suis en train de parler déjà. Eh, c'est un bar. Oui. Bah peut-être un Mac. Hein. Quoi? Je sais pas. Juste de voir ce que c'est. La descente. C'est quoi? What? Oh, c'est un rouget, mec. Wow. C'est un rouget, mec. Wow. Excellent, mec. C'est un rouget. Mec. Wow. T'as vu comment c'est beau? Ouais. Ah yes. Oh mec, c'est tellement beau, regarde les nageoires. Oui, là-haut. T'es mal les nageoires. Joli poisson. Ouais. Regarde les couleurs que ça a, les nageoires, tu vois, comment c'est bleu. Par l'eau. Allez, oh, ça repart direct. Ah, ah yes, nouvelle espèce ici, je n'ai jamais fait de rouget ici. J'arriverai pas à viser la zone de calme. Ça te fait une zone de calme derrière. C'est sûr, il y a 2-3 barres qui sont postées là. Ah oui, excellent. Là, il y a un coup à jouer. Me croise pas sur ce lancer là. Me croise pas sur ce lancer là, je vais potentiellement avoir un poisson. Potentiellement. Oh, bah voilà. Oh, il m'a mis une tape. Je savais, mec, ça faisait une zone de contre-courant, c'était obligé. Il m'a mis une petite tape discrète là. Non, ça va. Enfin, petit. Non, je les vois pas. Ouais, c'est un bar. Ni trop chade. J'avais annoncé, hein, je t'ai dit potentiellement je vais avoir un poisson. Et voilà. Petite photo. Joli petit bar. Allez. Oh, énervé lui. Il est déjà reparti là. Ah bon? Poisson. Nitro shad plus micro spinner, il m'a mis une belle petite boîte. Une jolie boîte ce bar. Je sais pas s'il est beau, ouais non c'est un petit. Un petit qui fait plaisir. Hop les. Oula.
Et bah voilà, c'est décroché. Je voulais le ramener sur le bord pour prendre une petite photo vite fait, mais non, il s'est décroché, il est reparti. Bon bah tant mieux. Nickel. Voilà. Un nitro chat dans 10 grammes avec un petit micro spinner. Ça permet de faire plus de vibrations et peut-être que ça attire les poissons de plus loin. Je sais pas. Je pense que ça fonctionne un peu quand même. En tout cas lui, il était actif parce que vu comment il est arrivé, il arrivait comme un dingue dessus. Voilà, c'est ainsi que se termine la saison 2019, voilà, donc sur des poissons faits avec des micro-spinners. Enfin, c'est pas trop des micro-spinners, mais plutôt un spinnerbait avec une agrafe, en fait. Et donc, j'ai eu pas mal de résultats avec ça en fin de saison 2019. Du coup, j'en ai fabriqué quelques-uns. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez pu voir que j'en ai fabriqué quelques-uns avec du fil de fer, des palettes de cuillère et des agrafes. Comme ça, en fait, ça me permet d'avoir un petit spinner avec la palette ici. Ici, en bas, une agrafe, comme ça, je peux mettre mon petit leurre souple. Et ça fait des vibrations qui, on va dire... qui alerte les poissons quand ils sont un petit peu plus loin et qui permet de sélectionner les poissons en activité. Voilà, donc je vais vérifier ça cette saison si ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est cool. Bon, voilà, c'était la petite session de fin de 2019, la petite compilation avec les poissons qui restaient. Allez, je vous souhaite une bonne journée les gars. Merci d'avoir regardé. Ciao.